Hello la team, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouveau workout. Aujourd'hui, on va faire les épaules. Ça sera 8 exercices d'affilée, 20 secondes de travail à chaque fois, 10 secondes de repos. Le tout, on va le faire 4 fois avec 45 secondes, 1 minute de repos entre chaque tour suivant comment ça brûle. On va commencer par élévation latérale avec les élastiques. La seule chose dont vous avez besoin, c'est des petits élastiques de cette sorte. Donc moi, je prends toujours les petits élastiques. Comme ça, on peut travailler aussi bien les petits muscles que les gros muscles en doublant les élastiques pour augmenter la difficulté. Donc les élévations latérales avec les élastiques, de cette façon-là, on lève bien, on cherche bien à lever les coudes, non pas les poignets, et pas besoin de dépasser la hauteur des épaules. Ensuite, on va le faire exactement la même chose, mais juste d'un bras, ici, l'autre bras. Ensuite, on va faire pulls apart. Donc là, c'est pour l'arrière d'épaule. On va venir étirer l'élastique de cette façon là, pareil en gardant les coudes au niveau des épaules ici. Ensuite, on va faire élévation frontale. Donc là, on met l'élastique sous les pieds et on monte de cette façon là. On peut très bien prendre un élastique ou les deux à la fois. Ensuite, je regarde toujours entre les bras. Hop. Élévation frontale. Ensuite, on va faire développer militaire. On peut prendre les deux élastiques pour augmenter la difficulté. On va venir mettre l'élastique au niveau des épaules et on va pousser les mains au-dessus de la tête. De cette façon-là, en restant bien gainé, les genoux légèrement fléchis et les abdos engagés. Ensuite, on va faire shoulder tap. Donc là, on se met en position de gainage et on va venir toucher ses épaules de cette façon-là. Et dernière, pike push-up. Donc on rapproche les pieds des mains et on essaye de descendre la tête la première de cette façon-là. 20 secondes, 10 secondes, je lance le chrono, je mets la musique et c'est parti. Hop. Allez. Le chrono. Et ça part dans 10. Hop. C'est déjà chaud ici. Allez, prêt, ça part dans 10, 9 secondes. Donc on commence par les élévations latérales. Hop. 3, 2, 1 et go. Sur les épaules, 9 secondes. 5, 3, 2, 1. Hop, on relâche. 9 secondes. On enchaîne avec juste un bras, le bras droit en premier. 2, 1, et go. Serré pour augmenter la difficulté.
3, celui-là il brûle, hein. 2, 1, et on relâche. Développé militaire, on reprend les deux élastiques. Là on écarte les pieds, pareil, plus c'est difficile. 3, 2, 1, et go. Bref. Alors, tiens, tiens, tiens. Il reste que deux exos. Pareil, 3, 2, 1. Et on relâche. Shoulder tap, on se met au sol. Bien gainé. 3, 2, 1. Et go. Et on essaye de ne pas toucher le bassin. Bien les épaules au-dessus des mains. C'est le premier tour. Ça part dans 9, on part sur exactement la même chose, élévation latérale, vous allez voir normalement ça va piquer un peu plus. Allez pareil là, plus on écarte les pieds, plus c'est difficile. Allez let's go. Un bras en 3, 2, 1 et go. Allez, 9 secondes. 5, 3, 2, 1 et on relâche. Dès le deuxième tour, ça commence à chauffer. Allez, 5, 3, 2, 1, et go. Pour augmenter la difficulté, on ne redescend pas jusqu'en bas, on garde l'élastique en tension. 5, allez, 3, 2, 1, et on relâche. Élévation. Frontale. Allez, 5, dans 3, 2, 1, et go. Pas besoin d'aller trop vite, on se concentre, on reste bien gainé. Là, je peux vous dire que ça commence à brûler. Allez, 5, encore 3, 2, 1, et on relâche. Allez, pull the part. Hop, l'arrière d'épaule. En 3, 2, 1, et go. Allez, 9. 5. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Aïe, développé militaire, on prend les deux élastiques. En 3, 2, 1, et go.
Allez, 9, 5, 3, 2, 1, et on relâche. Shoulder tap. Allez, position de gainage. Bien les épaules au-dessus des mains. 3, 2, 1, et go. Bon, vous avez vu, ça commence à brûler sérieusement. Allez, 30 secondes, on part sur le troisième tour, On a fait plus de la moitié déjà. Allez, 9. On se prépare. On recommence. Allez, go. C'est parti. Épaules bien congestionnées, solide, 5, allez on tient, 3, 2, 1, et go. Allez, bien concentré, on doit bien le sentir dans les épaules, 9, encore, 5, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, frontal. 3, 2, 1, et go. Encore. 5, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on se prépare, pousse de part. 2, 1, et go. Neuf. Cinq. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Allez, développé militaire. 3, 2, 1, et go. Allez. On s'accroche, 9 secondes. 5,
Encore. 3, 2, 1, 3. Ouh. Allez, go. Shoot la tape. Allez, 3, 2, 1. Allez, go. Bien gainé. Pike push-up, pike push-up. Allez, 3, 2, 1, et go. Allez la team, on a fait le plus dur, il reste qu'une fois. Grand repos. Allez, 30 secondes. Hein? C'est le dernier tour. Alors, on se prépare. Élévation latérale. Dans 5. En place. Allez, 2, 1, et go. Allez, c'est le dernier. Neuf, 5, encore, 2, 1, et on relâche. Allez, un bras. Trois, 2, 1, et go. Allez, 9 secondes. Je sais pas où, mais moi ça brûle sévère. 5, 4, 3, 1, 2, 1, 1. L'autre bras. Allez, on tient. 5, 3, 2, 1, et go. Allez, 9 secondes. 5, encore, 3, 2, 1, allez, élévation frontale, 3, 2, 1, et go, allez, on tient, 9 secondes, encore. 5, 3, 2, 1, wow, donc ça part. Normalement, juste de garder les bras là, ça doit vous piquer les épaules. Allez, prêt, let's go. Allez. Tiens, 2, 1, allez, dernier, dernière fois qu'on fait élévation, développé militaire, pardon, dans 2, 1, et go. Allez, 9, 5, 3, et on relâche. Allez, shooter tap. Avant-dernier. En 3, 2, 1, et go.
5, 3, 2, 1, et on relâche. Ouh. Allez, dernier. On se prépare, pike push-up. Allez, prêt. Et go. D'épaule, j'espère que vous avez kiffé la team. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve pour un nouveau workout la prochaine fois. Ciao la team.